Nous allons accueillir maintenant le plus ancien des joueurs parisiens. Il a passé 11 saisons en rouge et bleu. Je vous demande d'accueillir, mieux d'honorer et de faire une ovation au plus titré des joueurs parisiens, le numéro 6, Marco ! Marco ! Marco ! Marco, this is your boss. You know who it is. I just want to say what you have done for PSG, for the city of Paris, has been amazing. Dire que je suis très content pour tout ce que tu as fait au PSG. Bonsoir à tous. Bonsoir Marcos. Ça va? Je pense que c'est un moment très spécial pour toi. C'est un moment particulier. Merci de tout que tu as fait pour cette club. L'adieu aux larmes, les larmes aux yeux de Marco Verratti, Jérôme Alonso. On se demandait ce que Paris allait réserver au milieu de terrain italien. C'était à la hauteur. Ouais, c'est bien, c'est mérité. J'aurais aimé qu'il prenne la parole au milieu du terrain, au début de la célébration, pour s'adresser à tout le Parc des Princes. Entrée du gardien, de votre gardien. C'est la seule chose qui me manque un peu pour dire au revoir vraiment à tout le monde. Mais en tout cas, le moment était magnifique. Et j'imagine l'émotion qu'il a submergé. Déjà que nous, on était bien émus de voir ça. Donc j'imagine vraiment, Marco, ce qu'il a dû ressentir. Voilà, on peut aussi regretter qu'il parte à l'Arabie, au Qatar, un petit peu déclassé. Mais voilà, ça n'enlèvera rien à ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait vivre aux supporters parisiens qui l'ont vraiment dans leur cœur. Et ça, c'était cool de voir ce moment-là.